Sept ans après le succès modéré de son sixième album, Chimène bâtit un nouvel opus à son public, baptisé sobrement Chimène et porté par le single Là-haut, qui lui avait permis d'accéder à la finale de Destination Eurovision en 2019. Bien connu du public, sa vie privée l'est moins. Si elle aimerait vivre cachée pour vivre heureuse, l'artiste de 36 ans avait cependant accepté, le jeudi 25 juin 2020 dans l'émission Je t'aime etc. de livrer de rares confidences au sujet de l'homme qui partage sa vie depuis de nombreuses années. Dans les colonnes de Closer en novembre 2020, elle était également revenue sur son idylle avec Julien, professeur d'éducation physique dans un institut privé du sud-ouest de la France, là où le couple est installé, avec qui l'amour est parfois un défi. Lorsque Daphné Burki l'avait interrogé sur la réaction de ce dernier face à un titre de Chimène Badi qui évoque l'usure du couple, la chanteuse avait répondu avec franchise. Je crois que mon amoureux préfère plutôt Je pars, glissait-elle ainsi celle qui a été révélée en 2002 par sa participation à l'émission Popstar. Si est-il une chanson écrite et pensée un peu plus pour les couples qui partent et qui reviennent, qui n'ont pas toujours le temps de passer beaucoup de temps ensemble. Moi, par rapport à mon métier, je ne suis pas souvent à la maison. Mais il n'empêche que je pense beaucoup à mon fiancé, avait-elle poursuivi. La distance n'a cependant pas raison de leur histoire, puisque Chimène Badi a trouvé une épaule vers laquelle elle peut se tourner en Julien. Je lui dis tout, confiait-elle, ses complexes n'étant pas exclus. Une stabilité qui pourrait la convaincre de franchir le cap du mariage ? La réponse est non puisque, lorsque la psychologue et chroniqueuse Caroline Veil soulignait le côté solennel du rituel de passage, la principale concernée confirmait qu'elle préférait scène passée. La métamorphose de Chimène Badi dans nos colonnes, Chimène Badi assurait pourtant que le métier très physique de son compagnon n'était pas du tout à l'origine de sa perte de poids spectaculaire, qu'elle a notamment affichée sur ses réseaux sociaux. Une alimentation équilibrée et du sport pendant le confinement ont aidé la jeune femme à obtenir la silhouette qu'elle souhaitait avoir. Chimène Badi semble avoir trouvé la personne qu'il lui faut. Un brin rock'n'roll, comme elle dit. Loading Widget.